Bonjour, l'émergence de l'Afrique au cœur de très nombreuses discussions. Aujourd'hui, dans notre émission Africa Europa, nous allons parler précisément de l'émergence des acteurs économiques dans l'Afrique de demain. L'émission Africa Europe continue, cette fois-ci donc avec la même configuration de notre plateau, seulement avec un nouveau venu, M. Marc de Vos. Enchanté. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Et quel est ce lien avec cette émission ou bien avec quelqu'un de ce plateau, s'il vous plaît? Mon nom est Marc de Pose, comme vous l'avez très aimablement dit. Je suis juriste de formation, économiste de formation, et j'ai le plaisir de travailler avec M. Joël Bulelli depuis un certain nombre d'années et de participer à l'ensemble de ses projets, au développement qu'il est en train de mettre en place. On parle beaucoup de ces structurations des entreprises de M. Joël Bulelli, de ce qu'on appelle le OneCoin. Est-ce que vous travaillez un peu dans ce sens de structuration? Et qu'est-ce que c'est que cette économie structurale que vous voulez mettre sur place? Si vous voulez, le OneCoin est simplement un outil. Il ne faut pas se tromper. Le OneCoin, c'est une monnaie cryptogramme. C'est une monnaie née dans l'Internet, dans un secteur donné et par rapport à un groupe donné. Mais je dirais que la virtualisation de l'économie et du OneCoin, elle est valable pour n'importe quelle monnaie. Votre monnaie à vous, que ce soit en euros, vous pouvez payer dans la zone euro vis-à-vis de gens qui acceptent l'euro. Et depuis Bretton Woods et la rupture avec la parité à l'or, je dirais que toutes les monnaies sont devenues quasiment virtuelles. Sous cet angle-là, ce qui est important, c'est qu'en réalité, l'émergence de ces monnaies devient des instruments complémentaires qui permettent d'accompagner, je dirais, d'affiner et de relancer des économies dans l'économie. Elle n'a pas pour volonté de remplacer l'argent officiel, elle n'a pas pour volonté de commencer à mettre en place un système universel. C'est simplement un outil qui doit permettre, je dirais, de développer précisément une communauté donnée, de fonctionner petit à petit, de grandir petit à petit, et de permettre, je dirais, l'émergence d'une économie qui va faire ses pas petit à petit, qui va grimper, qui va grandir, qui va grossir. L'idée est de fluidifier, de fluctuer, de donner plus d'aisance, de donner plus de souplesse à un certain segment de l'économie. Justement, en tant que juriste, vous ne pensez pas que quand même, pour des économies aussi, on peut dire, faibles, entre guillemets, comme les économies africaines avec lesquelles vous travaillez beaucoup, est-ce que ces pays sont prêts à intégrer la monnaie, donc le OneCoin, par exemple? Je le pense. Et précisément parce que ces pays ont effectivement des économies qui ont parfois difficiles à faire leur place. Elles n'en restent pas moins, je dirais, partie prenante de l'économie mondiale. Ça veut dire qu'elles en subissent de plein fouet toutes les variations, toutes les tensions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient financières, et elles n'ont pas les moyens de se défendre. Et quand on parle d'économie à ce niveau-là, on parle évidemment bien souvent d'économie étatique et le retour à l'individu, le retour à la personne qui va acheter son pain le matin, qui peut acheter une voiture, je dirais qu'on est bien loin de l'économie mondiale. Et dans cette économie de tous les jours, au contraire, je pense que le OneCoin ou n'importe quelle autre monnaie, entendons-nous bien, le OneCoin a des spécificités sur lesquelles on reviendra peut-être, mais il mériterait une émission à lui tout seul, tellement il est quand même complet. Mais en réalité, la monnaie virtuelle a, je dirais, ses caractéristiques de pouvoir être à la mesure d'entités plus étroites. D'ailleurs, en Europe, vous avez vu l'émergence d'un tas de monnaies qui ont pour volonté d'être régionales, d'être locales, parfois d'être liées à un quartier. Qu'est-ce qu'elles traduisent fondamentalement? Elles traduisent simplement la nécessité de pouvoir, dans un système d'échange qui se veut ne pas être purement financier, être un outil de définition, un outil, une unité. Si moi, je donne des cours de droit à quelqu'un qui lui-même est plombier, je donne des cours à son fils, je donne X heures de cours. Son plombier, à son tour, viendra chez moi pour réparer ma fuite. Comment va-t-on t'évaluer? On est dans du troc. Mais précisément, c'est ce qui a amené l'existence de la monnaie, c'est que le troc est compliqué à gérer. Et donc l'existence d'une monnaie virtuelle, il y a eu des marguerites, mais je dirais que l'imagination est au pouvoir sous cet angle-là. Chaque fois qu'on a créé des monnaies virtuelles, c'était pour la nécessité de pouvoir arriver à quantifier ces échanges informels. Et précisément dans des pays comme les pays africains, du moins dans certains d'entre eux, on est au troc, on est dans l'échange de services. Et la renaissance va passer d'abord par le renforcement de toute cette base économique locale. Et le OneCoin vient précisément apporter cet outil
Ok. C'est la raison pour laquelle vous travaillez, Joël, avec M. Marc Depot? Parce que de toutes vos entreprises que vous avez, est-ce qu'ils sont vraiment, elles sont vraiment prêtes à intégrer ce système? Déjà pour répondre, avec Marc Depot, c'est pas compliqué de travailler. Donc on travaille ensemble depuis de nombreuses années, donc on a, j'ai envie de dire, développé une complicité, donc il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Mais ici, au niveau du projet du OneCount, c'est vrai que M. Marc Depose s'est attelé justement à rencontrer un peu plus la communauté OneCount, parce que nous avons pensé qu'à l'heure actuelle, cette communauté qui est composée d'à peu près 3 millions d'individus, pourrait être intéressante pour soutenir l'économie au niveau du Congo. Et on donne la possibilité à cette communauté aujourd'hui de pouvoir, cet argent qui est numérique, on leur permet d'acheter des maisons à l'heure actuelle au niveau du territoire congolais. Donc oui, je pense que cette économie a tout à fait ce OneCount a tout à fait sa place au niveau du Congo. Et l'une de mes entreprises, Leader Construct, justement soutient ce projet. Marie Detti, comment présenter, après avoir entendu donc le député, après avoir entendu Nicole, Joël et Marc Depose, comment vous pouvez structurer tout cela dans le cadre de votre travail de coaching ou bien de business ethics? Eh bien moi, ce que je résumerais avec une valeur qui m'est très chère, c'est le partage. Et j'ai trouvé que justement, quand Marc Depose parlait de ce troc, je trouve que ça crée un lien. Et c'est ça qui, à mon avis, est le plus important, c'est de créer du lien, créer et partager. Et je dirais que je pense que le nouveau luxe, c'est de savoir partager. Merci beaucoup, honorable, d'être venu donc nous rejoindre ici. Un dernier mot peut-être pour ce que vous avez entendu? J'ai entendu des choses très intéressantes, notamment votre exposé sur la monnaie virtuelle. Je crois qu'elle a l'avantage de permettre le développement des activités, même sur toile de fond de crise de liquidité. Elle rend l'économie informelle plus résistante à une crise due à la financiarisation de l'économie. Donc je crois qu'il y aura pas seulement des régimes uniques en matière monétaire, mais une monnaie officielle et une monnaie parallèle. Il faut les deux. Il faut les deux. Comme l'économie officielle est quand même séparée de l'économie informelle, je crois que ça va dans le droit sens. Et ça, c'est l'inventivité des Africains qui m'impressionne. Je crois que les Africains ont des moyens, ils ont des idées, et c'est à nous d'accompagner ce développement. Merci beaucoup. C'est sur ces notes d'optimisme du député Goerings que nous allons donc nous quitter aujourd'hui, en remerciant tout d'abord M. Joël Bouly, jeune entrepreneur donc qui a des dents longues et qui veut aller loin. Remerciant donc la comtesse Marie de Tilly, qui donc avec son concept de business étiquette est en train de faire ce qu'on appelle le link entre l'Afrique, l'Europe et puis des visions futures. Merci beaucoup M. Depauve pour nous parler de cette OneCoin, donc la monnaie numérique, qui est une curiosité pour certains, mais qui peut être donc la valeur de demain. Merci beaucoup Nicole Sulu, fondatrice et initiatrice donc du Makutano, qui veut dire donc rencontre et échange. À Kinshasa, il y a eu lieu donc en 2016 et cette fois-ci donc en 2017, ce sera les 15, 16 et 17 septembre à Kinshasa. Vous êtes tous conviés. Et merci beaucoup donc honorable de nous avoir accueillis dans votre maison. Merci.